Hey, salut tout le monde, c'est Mel de Jeu, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chibi-Robo Ziplash. On va se lancer dans le 4-6 swing entre les branches. C'est parti, on ne perd pas de temps, on fonce dans le tas. Et à mon avis, je vais devoir m'accrocher et jouer les Tarzans entre les branches. Enfin, c'est ce que je pense par rapport au titre, donc on verra. Il n'y a qu'une seule friandise à récupérer dans ce niveau. Donc il va falloir ouvrir l'œil. Ok, déjà... Ça me plaît pas, mais bon... Pas le choix, hein. Ok, déjà à gauche, il y a ça. Un recyclable. Ok, oui, il va falloir s'accrocher. Vas-y, crache-toi. Ok. Ouais, à mon avis, ça va être un niveau que comme ça. Enfin, je le sens bien comme ça, en tout cas. Hein. Ok. Ok. On vérifie tout de même s'il n'y a rien en bas. Non, mais par contre en haut il y a un coffre. Intéressant. Oh, non. T'as cru que t'allais m'avoir mon petit gars, mais non. Vas-y, accroche-toi. Voilà. Hop. Clac, 50 pièces. Un recyclable, on le prend. Pof. Alors... On va le faire rebondir ici. Nice. L'ascenseur, on le prendra après. On va d'abord s'accrocher là. Voilà, j'ai eu la bonne idée de m'accrocher. Tiens. Et on récupère un premier petit robot. Et si je prends l'ascenseur tout de suite, à mon avis, j'aurai pas le temps de récupérer le petit robot. Ouais, c'est ça. Impossible de récupérer le petit robot après. Ok, checkpoint. Boum, boum, oh. Boum, j'ai dit. Alors, on va grimper pour voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un recyclable? Donc, à mon avis, c'est pas par là. On va d'abord descendre. Ah, c'est par là-bas qu'on va devoir avoir affaire au petit extraterrestre pour le prochain épisode. Et il n'y a rien d'autre à récupérer, ok. Il y a un gros vélo en tout cas. Ok. Non. Ah. Pas eu le temps de dire ouf. En même temps, c'est en pente, c'est pas terrible. Oh. Là, par contre, ça m'intéresse. Allez, go. Oh, j'espère qu'il y a au moins une pièce là-bas. Ouais. Ok. Et ici, il n'y a rien. Très bien. On y retourne, on refait les Tarzans avec notre câble. Super. C'est vraiment plaisant ce petit jeu de balance. Hop. On prend ça. Ah oui, c'est vrai. Bouge pas toi. C'est pas grave pour les points de vie hein. À partir du moment où je peux terminer tout le niveau entièrement, moi ça me va. Ah, c'est pas bon. On va reviser ça. Bah alors. Oh là là, ça va être galère. Hein. Oh purée. Je m'approche un peu plus, c'est ça? Wouah, il faut que je recule encore. Mais c'est chiant. Voilà. Oui, checkpoint. Paf. Yeah. 50 pièces. Continue de grimper. Par là-bas, on a... Ah, est-ce que je peux m'accrocher comme ça? Bon, bah, j'ai récupéré la pièce, c'est ce qu'il faut. Je vais récupérer toutes les pièces qu'elle a avant. Ok. Bon, c'est pas grave pour cette dernière pièce. Hein. Alors, c'est parti. Avant que ça ne disparaisse. Ok. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait des choses en bas. Ouais, il y a ça en bas. Hop. Et il y a ça.
attention. Tac. Oh, je croyais que c'était le trésor. Un peu dégoûté, mais bon. Y a pas de quoi s'accrocher, mais il y a de quoi s'agripper ici. Ok. Oh, vas-y, crash, toi. En haut, il y a quoi? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, toi, tu meurs. A mon avis, si je touche ça, je me fais électrocuter. Hein. Bon, on va attendre. Voilà. Et on va récupérer max de pièces. Enfin, max, 10 pièces. Arrête de cracher. Hop. Bah, c'est parti, hein. Voilà, c'était limite pour les flammes. Hein. Oh, quel trognon de pomme. Là, il y a des flammes qui vont vouloir me cracher dessus. Vas-y. Ok, oh là. Là. Ouais. Le troisième petit robot, cool. Il nous reste toujours une friandise à récupérer et une pièce. Hein. Ok, pas cool. Voilà, là on attend. Et là on y va. Yeah. Oh, bouge, bouge. Ah par contre j'ai envie de tester un truc. Ah bah de toute façon je peux m'accrocher directement là. Non. Bon, allez, tire là-haut. Voilà. Et non, pas de pièce. Je pensais, mais non, pas de pièce. Clac clac. Checkpoint. Il faut prendre de la hauteur, mais en bas, il n'y a rien. Ok. Alors j'espère que je vais avoir le bon timing avec les flammes. On verra. Ouais, c'est bon. Oh, c'est limite, hein. Oh la vache. C'est limite. Déjà ça, je veux. Vite, vite, vite. Non, j'ai raté. Ah, tirer avec le joystick, c'est tellement chiant. Et en attendant, j'ai toujours pas trouvé le trésor. Hein. Donc je sais pas ce qui se passe. Ok, c'était encore une fois limite, très limite. Vas-y. Voilà. Waouh. Ah, peut-être là-haut. Yes, c'est là-haut. Ok, super. Bah du coup, on aura tout récupéré aussi dans ce niveau. Parfait. Si on arrive à voir ça, bien sûr. Allez, on va jouer la balance. Hop là. Tac. Ok. On s'accroche. Alors, il y a un truc très simple aussi à faire, c'est ça. Hein. Tac. Et la dernière pièce. Voilà. Réussi. Et on va aller voir quelle est la dernière friandise du monde 4. Tout en sachant que les friandises, vous les prenez aléatoirement dans le jeu. Hein. Bon, pour moi, la dernière, c'est celle-ci, mais la dernière pour vous, ce sera peut-être pas celle-ci. Oh. Des Kameda no Kaki no Tane. Je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. On verra bien ce que le soldat nous dira. Et du coup... on part terminer le niveau. Great. Une autre personne m'a dit dans les commentaires aussi. Attendez, on va d'abord avancer. Vas-y, tap. Oh, tu rigoles. Allez, tap. Voilà. Donc je disais, une autre personne m'a dit dans les commentaires. Parce que j'avais dit que la roue des boss ne servait à rien. Parce que t'as qu'une roue finalement. Avec toujours la même chose. Et cette personne m'a dit que je pouvais acheter des cases différentes pour la roue des boss. Et c'était une case boss simple ou boss facile, je sais plus. Donc on va aller regarder ça ensemble. Même si je ne l'achèterai pas parce que je préfère vaincre le boss tel quel plutôt que de me le prendre en mode easy. D'autant plus que les boss sont vraiment pas difficiles. Sans se faire toucher, faut avoir le skill et faut avoir le pattern. Mais sinon, faut vraiment être pas doué pour perdre. Ou alors, ne pas avoir de chance. Ça arrive. Yeah, 4-6 terminé. Et du coup, le boss apparaît.
Yeah. Un boss est apparu. Oh mon dieu. Quelle roue veux-tu faire tourner? Alors, roue des boss. Il est temps de passer à la roue des boss. Alors, achat de cases. Et il y a case boss faible. Donc en gros, cette case-là me permet d'avoir un boss plus faible. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas m'embêter avec ça. Moi, je veux me faire le boss quoi qu'il arrive. Et du coup, quand je disais que cette roue-là ne servait à rien, bah, au final, non. Je disais des bêtises. Elle sert bien à quelque chose si on veut se faire le boss plus facilement. Allons-y. Voir ce boss. Ouh. Il y a une rallonge rouge à dénicher dans chaque niveau. Généralement, j'arrive à le choper, hein, cette rallonge rouge. Même si ça nous donne rien au niveau des points ou quoi. Enfin, si, ça nous donne des points, mais bon. Alors, Croquinero. Croquinero, comte de la nuit. Il y a dans les parages un boss. Surveiller l'Europe. Quelle sorte de créature va être ce boss? Je suis vraiment curieux. Oui, oui, je vais faire une pause après. Laisse-moi jouer. Allez. Merci, c'est gentil. A plus tard, Chibi-Robo. Nice. Nice, nice. Voyons voir. Croquinero. 4B. Évidemment, il n'y a rien à récupérer dans ce niveau à part vaincre le boss pour accéder à la zone 5. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être ça? Il y a des chauves-souris de partout. Donc, à mon avis, il va falloir spammer... le coup de fouet. Ouh. Oh, très sympa le boss. Ah, tu me fais peur. Si tu veux. Mais arrête de me faire mal. Bon, en tout cas, il a pas si compliqué que ça. Hein. Wow, wow, wow. Vas-y, viens. Approche-toi. Ah. Mais hé, c'est pas du juste ça. Hein. Tiens, take damage. Rien affiche. Oh, ça je prends. Je le spam le boss, hein. Y a pas de problème là-dessus. Allez. Oh, t'as perdu la moitié de ta vie, t'es méchant, hein. T'es en colère, hein. Vas-y, énerve-toi. Énerve-toi. Il a encore appelé des chauves-souris? Il va aller plus vite, je suppose. Oh, peut-être pas, hein. Ouais, le principe pour vaincre le boss est vraiment très con, hein. Oh. Non. Ah. Tu ne m'auras pas. Tiens, 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 tiens. Pas grave, regarde, je récupère ça par terre. Tu vois un peu? Continue de spammer. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Wow. D'accord. Ah ouais. Rigole pas la deuxième phase, hein. Mais arrête, regarde, je récupère mon énergie, ça sert à rien ce que tu fais. Alors évidemment, le faire sans se faire toucher, c'est un peu plus difficile, comme je l'ai dit. Ah, il récupère des chauves-souris, c'est pas drôle ça. Ah ouais, carrément. Comment t'es pas sympa? Je récupère mon énergie à fond là. Vas-y, reviens. Ouais, si tu veux. Y'a pas moyen que je le touche comme ça là? Ah, y'a pas moyen, hein. Ok. Vas-y, je spam, je spam. Je m'en fous. Vas-y, viens là. Voilà, je te spam, je te spam. Voilà! Très bien. Alors honnêtement, pour faire le boss sans se faire toucher, c'est, encore une fois, je le répète, hein, mais beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Hein. Parce que là, le principe pour vaincre le boss, il est très simple. Il suffit de lancer son lasso ou son coup de fouet, et ça fonctionne pour le vaincre. Mais de là à ne pas se faire toucher, c'est autre chose. Hein. Yeah. Monde terminé. Eh ouais, vu que le boss est vaincu, ce n'est pas le stage, mais le monde. Ok. Et je n'ai pas le badge de pas me faire toucher. Non.
Hâte de voir quelle est la prochaine zone. En tout cas, on avait l'air d'être dans un dôme. Oh, sûrement une cathédrale, une connerie dans le genre. Croquilero, comte de la nuit. Vous avez terminé tous les stages du monde 4. Vous pouvez désormais voyager vers n'importe lequel d'entre eux à votre guise. Monde 5. Oh. Amérique du Nord. Il va y avoir des cow-boys. Révolution industrielle. Ah là là. Il va y avoir de la machinerie. Il va y avoir de la machinerie. Ok. Ouais, déjà on arrive devant une usine. Donc il y aura peut-être pas de cow-boy au final. Donc on sait jamais, hein. Et bien voilà les amis, on s'arrête là pour cet épisode de Shiberobo Ziplash. Merci de l'avoir regardé. Merci pour tous ceux qui auront pensé à mettre un petit pouce à la fin de la vidéo. Ça me fait plaisir en tout cas. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode où on fera pas l'Amérique du Nord. On refera tous les niveaux du monde 4 pour délivrer tous les extraterrestres et essayer de trouver les codes. Je vais aller chercher sur internet les codes pour éviter de me prendre la tête à essayer de récupérer le costume, parce que c'est trop aléatoire pour moi et personne n'a été capable de me dire comment je pouvais les avoir autrement qu'avec des codes. Donc on se chargera de ça et on se chargera aussi de récupérer les divers objets que je n'ai pas récupérés dans les niveaux que j'ai pas terminé à fond. Je crois qu'il y en a qu'un seul niveau que j'ai pas terminé à fond, je sais plus. Bref, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Bye.